cette cérémonie de pose de la première pierre est l'occasion d'associer vraiment toutes celles et ceux qui se sont investis sur ce projet depuis un certain nombre d'années. C'est pas qu'un projet immobilier. Alors évidemment, vous voyez la maquette derrière moi. Il y a l'effet waouh, c'est très moderne, il y a de la clarté, il y a de la luminosité. Ça, c'est évidemment pour permettre et faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien, parce que c'est évidemment la finalité. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passera à l'intérieur de la banque. Parce que la volonté, c'est de faire que ce projet soit avant tout un projet de transformation. On a besoin aujourd'hui de rénover, de transformer nos méthodes de travail à l'intérieur de la banque, et c'est l'ambition que l'on a, à commencer par une chose toute simple. On a 900 collaborateurs aujourd'hui qui sont répartis sur 5 sites différents à Casablanca. Eh bien, demain, ils seront sur un seul et même site. Il est assez facilement compréhensible que ce sera plus efficace, que les collaborateurs pourront se réunir plus facilement pour mener des projets dans des délais plus courts. Voilà, ça c'est une illustration parmi d'autres. Mais on aura aussi un Digital Lab, par exemple, qui associera des startups, des entreprises de l'extérieur pour faire ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire fabriquer des nouvelles applications. Et puis, fort de ce que les clients nous disent, avec ces startups, c'est mener des projets qui permettront de faciliter la banque pour les clients, parce que c'est évidemment important d'avoir des clients satisfaits.